2 semaines sans vidéo, c'est vraiment, vraiment beaucoup trop long. Mais oui, parce que il y a 2 semaines, quand j'ai fait les vidéos, les 2 dernières, j'ai eu beaucoup, beaucoup, même voire beaucoup de commentaires. Flavien Thomas, salut Flavien, ou salut Thomas. Enfin, ça dépend... t'as compris quoi. Super boulot et super chaîne, je suis vraiment fan, continue comme ça. Eh bien, j'ai mon premier fan et je suis vraiment content. Donc, continue à regarder les vidéos, ça va être super. Un message de Mathieu Douvenel. Salut, moi aussi je t'ai connu grâce à JC et j'aime vraiment ce que tu fais. En tout cas, tu as vraiment de la place dans ton atelier. Continue ce genre de vidéo. ~58 m². Plus la place à côté, et il y a de l'espace aussi à l'étage. Donc, franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Merci pour votre commentaire. Tam Papiari qui me dit « J'aime bien ce format de vidéo, fais-nous partager davantage tes projets. » Ça, c'est pour la semaine qui arrive, la semaine d'après. Étant donné que la cuisine a bien avancé, vous verrez d'ailleurs ça juste après. Je pourrais faire quelques projets bien différents qui vont être vachement sympas. Record nous dit « Super merci, une vidéo sur l'habillage serait cool. » D'accord. J'ai là une veste sans manches de la marque Eroc, un jeans de la marque Eroc aussi. Tu vois, un jeans sécurité, tranquillou quoi. Et alors, hop là, tu vois, les chaussures, bon ben voilà, c'est de belles chaussures noires comme ça, de sécurité. Donc voilà. Sinon, j'ai un petit polo avec un petit machin là, tu vois, un petit col. Voilà, qu'est-ce que je dis d'autres, des chaussettes, voilà. Bizarre ces questions. Bricomanu, pourquoi ne pas avoir fait la porte plus courte plutôt que de recouper dans le linteau? Alors, devant la porte de l'atelier, tout simplement, j'ai recoupé le linteau pour pouvoir passer la camionnette. J'ai une camionnette et du coup, pour avoir la hauteur adéquate, j'ai dû recouper dans le linteau, tout simplement. Je vous remercie tous vraiment énormément. Vos messages me donnent plein d'énergie pour la suite de l'aventure. Un énorme, mais alors là, énorme merci à tous. Bon record, je te charrie. Hein. La vidéo de l'habillage de la cuisine, c'est maintenant. Alors, ça claque, non? Trouve pas? Moi, je trouve que ça claque. En réalité, ce qui claque, c'est ça. Pas la classe, ça? Non, mais sérieux, pendant 15 jours, j'ai vraiment bossé. C'était impossible de faire des vidéos. J'ai commencé par fixer les façades sur les caissons. Et le rendu est pour moi assez sympathique. Il a fallu juste là que je fabrique un meuble en biais. J'ai aussi terminé avec un caisson sur le dessus des meubles. Mais j'ai aussi placé des spots, fabriqué et placé la plinthe. Alors j'ai fixé un ruban LED et j'ai fait une finition avec un panneau pour qu'on ne voit pas les caissons d'un côté et de l'autre. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je dois faire les façades de porte, les façades de tiroir, appeler le marbrier pour qu'il vienne mettre du granit comme plan de travail, quelques finitions. Eh bien, ça se finit tout doucement, hein. Il a seulement fallu 6 mois. Hein. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouveaux projets, parce que la cuisine, je commence vraiment à en avoir marre. Je ferai une dernière vidéo une fois que la cuisine est complètement terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter un max. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres projets. Ciao !